Bonjour, nous allons corriger cet exercice de l'université Yaoundé 1, examen UV ou bien UE 2144, filière physique. Donc c'est le niveau 2, comme on dit 2000 déjà, c'est niveau 2 à l'université Yaoundé 1, faculté de sciences, durée 2 heures. Donc c'est un exercice de probabilité. On jette une infinité de fois une poire, une paire de dés. Du 2D, et on observe pour chaque lancé la somme des points indiqués par les 2D. Petit 1, soit BI, l'événement obtenu pour la première fois 10 au IM lancé y appartenant à une étoile. Déterminer P de BI. Deuxième question, soit A, l'événement. Aucun lancé ne donne 10. Calculer P de A. Troisième question. Un voyageur arrive à un carrefour. Il sait que qu'à cet endroit, il va trouver deux routes, la bonne et la mauvaise. Il y a trois frères à ce carrefour. Le premier dit la vérité deux fois sur 10. Le second, une fois sur 2. Le troisième, 9 fois sur 10. Soit FI, F indice I, l'événement, le voyageur s'adresse au IM frère, au IM des trois frères. Et B, l'événement, choisit le bon chemin. Le voyageur demande la route à l'un des trois frères. Et il savait que le chemin indiqué est bon. Quelle est la probabilité que le voyageur se soit adressé au troisième des trois frères? Donc, nous sommes dans la question 3. Nous passons maintenant à l'énoncé de la question 4. Le nombre d'étudiants de la faculté des sciences coupables de fraude pendant une session d'examen est une variable aléatoire Z qui suit la loi de Poisson de paramètre lambda supérieur à 0. On suppose que la probabilité qu'un fraudeur soit un garçon est P. Soit X, le nombre aléatoire de garçons parmi les fraudeurs d'une session. Soit Y, celui des filles. Z égale à X plus Y, grand X plus grand Y. Petit 4, calculer P de X égale à J. P et P de Z égale à K. Petit J. J et K appartenant à grand N. On distinguera les cas où J est supérieur à K et le cas où J est inférieur à K. Question 5. Déterminer la loi de X, de grand X. Maintenant, énoncer la question 6. Une urne contient 5 boules blanches et 20 boules noires. On prélève successivement avec remise 2500 boules de l'urne. En fait, moi je ne comprends pas qu'une urne contient avec remise 2500 boules de l'urne. Là, c'est possible. Et on note grand S, la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches obtenues. 6. Déterminer sans démonstration la loi S, on donnera l'ensemble E des valeurs de S et P de S égale à K pour K appartenant à grand E. Question 7. Donner les valeurs de E de S et de l'expérience mathématique de S et de la variance de S. Petit 8. Trouver un réel A vérifiant P de 400 inférieur ou égal à S inférieur ou égal à 600, qui
qui est supérieur à A. Petit 9. Proposer une variable U, une valeur U. Proposer une valeur U telle que P de S soit supérieur ou égal à U, qui est le taux inférieur à 0,05. Question 10. On suppose dans cette question que l'on prélève successivement sans remise 10 boules de l'urne et on note X à variable LP égale au nombre de boules blanches obtenues. Donnez sans démonstration la loi de X. Donc nous allons directement commencer la solution de cet exercice. En fait, je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Camden du groupe de répétition NABLA à Yaoundé Os au Cameroun. Donc nous commençons directement. Solution. Solution. On a dit que on jette une infinité de fois une paire de dés et on observe pour chaque lancer la somme des deux points indiqués par les deux dés. Soit B est l'événement obtenu pour la première fois 10 au IEM lancé, y appartenant à une étoile. Déterminer P de B. Donc nous allons commencer à la question. Nous sommes à la question 1. À la question 1, on a deux dés. Donc nous allons faire un tableau ici où on a le D1 et le D2. D1. Ça c'est le D2. 2. Ici, les dés sont numérotés de 1 à 6. Très souvent, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, on fait les sommes. La somme ici, c'est 2. C'est 3, c'est 4, c'est 5, c'est 6 et c'est 7. Ici, là, la somme, c'est 3, 4, 5, 5, 6, 7 et 8. La somme ici, c'est 4, 5, 6, 7, 8 et 9. La somme ici, c'est 5, 6, 7, 8, 9 et 10. La somme ici, c'est 6. 7, 8, 9, 10 et 11. La somme ici, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc voilà ce qu'on a. Et maintenant, obtenir 10. La somme 10. On a 3 fois 10 seulement. Donc dans tout le tableau, on a 3 fois 10. Donc ici, obtenir pour la première fois 10. Donc obtenir 10. La probabilité de l'événement obtenu 10. Donc soit X. On va dire ici soit X. La variable aléatoire associée au numéro obtenu. À la somme obtenue, si on peut dire. À la somme. Donc A, la somme obtenue. Donc X appartient à l'ensemble 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc voilà les sommes qui peuvent être obtenues. La variable aléatoire. Donc maintenant, ici, nous allons prendre, on a au total cardinal de l'ensemble ici, c'est 36. Ça va faire 6 fois 6 qui donne 36. Donc on a P de X. P de X égale à 10. Et donc égale à. On a, ça va donner 3K. On a ici 3K. 10, 10, 10. Ça va faire 3 sur 36. Qui va donner, on simplifie. Ça va faire 1 sur 12. Donc la probabilité d'avoir 10 est égale à 1 sur 12. Donc maintenant, ce que nous on va faire, c'est quoi? Donc on peut appeler ça P simplement, qui est égal à 1 deuxième. Ça, c'est la probabilité d'avoir 10. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Je vais appeler ça plutôt Y ici. Y ici. Je vais dire P de Y ici. Je vais appeler ça P de Y. Donc maintenant, comme on est en train d'utiliser la loi du premier succès, on va associer à cette expérience ce qu'on appelle une loi. On va associer à cette expérience une loi de
l'ordre géométrique. Donc on associe. On associe à cette expérience. À cette expérience, une loi géométrique de paramètres P égale à 1 douzième et K égale à OIM lancé, c'est égal à I. K égale à I, P de I. Donc, ce qu'on va écrire, c'est quoi? C'est que comme on a la fonction de masse est P de X égale à K égale à P facteur de 1 moins P à la puissance K moins 1. Donc ici, quand on est dans le cas où P de X, de la probabilité qu'on nous demande, c'est P de X égale à I, qui est donc égal à P, d'accord madame? Ça va faire 1 moins P à la puissance I moins 1. Donc, qui va donner simplement 1 sur 12 facteur de 1 moins 1 sur 12 à la puissance I moins 1. Qui va encore donner P de X égale à I égale à 1 sur 12 facteur de 11 sur 12 à la puissance I. Qui va encore donner 11 à la puissance I sur 12 à la puissance I plus 1. Donc voilà ce qu'on obtient à la fin. Voilà ce qu'on va obtenir à la fin. Voilà la probabilité recherchée. On va donc passer directement à la question 2. Donc ça c'était P de BI. En fait, ce qu'il faut donc comprendre, c'est que P de BI est donc égal à 11 sur 12 à la puissance I sur 12 fois 1 sur 12. Donc voilà ce qu'on va obtenir. P de BI. Voilà ce qu'on nous a demandé de calculer. On va donc passer à la question 2. On nous a dit à la question 2 que soit à l'événement, aucun lancé ne donne 10. A est l'événement. Aucun lancé ne donne 10. Calculez P de A. Bon, si aucun lancé ne donne 10, ça signifie que aucun lancé ne donne 10. Donc A est l'événement. Aucun lancé ne donne 10. Si aucun lancé ne donne 10, ça signifie que quoi? Bon, le premier lancé ne donne pas 10, le deuxième lancé, bon, on a lancé le dé infiniment, donc un nombre infini de fois. Donc, si aucun des lancés ne donne 10, ça signifie que, si on prend au moins ce, on va dire, soit l'événement contraire de ceci, A bas, c'est au moins un lancé donne 10. Voilà l'événement contraire. Et on sait que P de A plus P de A bas égale à 1. Et on sait ici que on a la fonction de masse. Donc, ici, on peut associer à cette expérience quoi? Au moins un lancé donne 10. Donc, nous, on peut associer à cette expérience soit X appartenant à l'ensemble 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oui. X est une variable aléatoire. Donc, on va dire que
est une variable aléatoire associée à la somme, ce qu'on voit. Donc on va associer cette expérience à une loi de à une loi binomiale. Donc x est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres. On va d'abord dire normalement c'est de paramètre p égal à 1 douzième et maintenant n est égal à l'infini. N est infini. Mais nous on va d'abord dire n. Après on va calculer la limite. Après on va calculer la limite. Donc la fonction de masse est la fonction de masse est p de x égale à k qui est égal à combinaison de k dans n fois p à la puissance k 1 moins p à la puissance n moins k. Donc voilà la fonction de masse. Et puis maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? C'est que maintenant p de a bar p de a bar est donc égal à p de x. Bon, P de X, je peux avoir 10 une fois, je peux avoir 10 deux fois, je peux avoir 10 trois fois, je peux avoir 10 une fois. Si j'obtiens les autres, c'est l'échec. Donc ça va faire P de X égale à 2 plus P de X. On a dit que c'est au moins un 10. Donc on a lancé une infinité de fois. Obtenir au moins un 10. Donc j'obtiens K égale à. Non. Qu'est-ce que je fais ici? X appartient à l'ensemble 0, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, point, point, point. Donc, ici, parce que ici, c'est le nombre de succès qu'on aura plus tôt. On a dit, j'obtiens au moins une fois 10. Ça veut dire que P de A égale encore à P de X est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est P de A bar qui est égal à 1 moins P de A. Donc, ici même, on pouvait directement calculer. Si on obtient, ça veut dire que P de A est donc égal à P de X égal à 0, qui va donc donner combinaison de 0 dans n. Non, ça va donner plutôt limite. Je vais mettre ici limite de combinaison de 0 dans n. Combinaison de 0 dans n. Ça va faire ici p à la puissance k à la puissance 0 1 moins p à la puissance n. Lorsque n tend vers plus infini. Donc voilà ce qu'on aura. Et ici, ça va donc donner plutôt combinaison de 1 dans. Ça va faire 1. Ça va faire limite de 1. 1 moins p à la puissance n. Lorsque n tend vers plus infini. Ça va faire 11 sur 12 à la puissance n. Donc p de A est égal à 0. Donc voilà P de A. On trouve finalement que P de A est égal à 0. Il c'est plus infini. Donc voilà par exemple pour la question 2. Nous allons passer donc maintenant à la question 3. À la question 3, on nous dit que un voyageur arrive à un carrefour. Il sait que à cet endroit, il va trouver deux routes.
la bonne et la mauvaise. Vous voyez déjà, quand on dit qu'on trouvait deux routes, ici, il faut déjà penser à une loi qui n'a que deux possibilités, soit le succès, soit l'échec. Mmh. Il y a trois frères à ce carrefour. Le premier dit la vérité deux fois sur dix. Le deuxième, le second dit une fois sur deux. Le troisième, neuf fois sur dix. Soit l'événement, le voyageur s'adresse au IEM des trois frères. Donc, P de F1, on peut déjà dire que P de F1, le premier frère, égale à. Il dit la vérité combien de fois? Le premier dit la vérité deux fois sur dix. Ça va faire deux sur dix, égale à un sur cinq. Voilà. P de F2, le deuxième frère, il dit la vérité une fois sur deux. Ça fait un demi. Le troisième frère, c'est P de F3. Il dit la vérité 9 fois sur 10. Sur 10. Voilà. On a calculé, on a déjà posé. Maintenant, avant de continuer la lecture, on va continuer. On dit que maintenant, et B, l'événement choisit le bon chemin. B, l'événement choisit le bon chemin. Donc, maintenant, quelle est la probabilité? Bon chemin, le voyageur demande la route à l'un des trois frères et il s'avère que le chemin indiqué est bon. Donc, quelle est la probabilité que le voyageur se soit adressé au troisième frère? Au troisième des frères. Donc, ce qu'on est en train de demander, c'est, on dit que la route est bonne. Donc, on demande de calculer la probabilité de F3, sachant que la route est bonne, B. Ceci est égal à P de F3 inter B sur P de B. Or, on ne connaît pas P de B. Donc, et voilà donc ce qu'on a. On va donc faire ce qu'on appelle l'arbre de probabilité. On va donc faire, l'arbre de probabilité. Bon, est-ce qu'il y a une information que je n'ai pas exploitée ici? On a deux routes. On a le bon chemin et le mauvais chemin. Mmh. Donc, on va faire l'arbre de probabilité. Donc, arbre des probabilités. On va faire l'arbre des probabilités. Donc, ici, on a par exemple, on va dire ici que dans un premier temps, je vais faire ça sur le premier frère, ça c'est F2, ça c'est F3. Donc, ça c'est le bon chemin, ça c'est le mauvais chemin, ça c'est le bon chemin, et ça c'est le mauvais chemin, c'est le bon chemin, c'est le mauvais chemin. Ce mauvais chemin ici, B bar. Et maintenant, donc ici, on a vu que P de F1 était égal à 1 cinquième. 1 cinquième, c'était 1 demi. Et ça, c'est 1 neuvième. C'est 9 dixième. 9 sur 10. Ici, pour P de F3. Voilà ce qu'on a. Et ici, on a dit que à cet endroit, il va trouver deux routes, la bonne et la mauvaise. Bon, il y a les mêmes chances de choisir la bonne route, il y a la même chance de choisir la mauvaise route. Donc c'est un demi, un demi, un demi, un demi, un demi, un demi. Donc ici, on aura P de F1 inter B, qui est donc égal à F1 inter B. Est donc égal à 1 dixième. On va faire 1 cinquième fois 1 demi qui est égal à 1 dixième. On a P de F1 inter B bar qui est égal à 1 cinquième fois 1 demi qui est égal à 1 dixième. Ici on a P de F2 inter B qui est égal à 1 demi fois 1 demi qui est
qui est égal à 1 quart. P2, F2, LTP, qui est égal à 1 demi fois 1 demi, qui est égal à 1 quart. P2, F3, inter B, qui est égal à 1. On va faire chaque fois les probabilités 6 fois 6, c'est ça qui donne la probabilité de l'intersection. Donc ça va faire 9 demi, 9 dixièmes fois 1 demi, qui est encore égal à 9 sur 20. Donc ici maintenant ça c'est P2, F3, inter B, inter B bar, qui est égal à 9 sur 10 fois 1 demi, qui est égal à 9 sur 20. Maintenant, on va calculer P de B. On a tout ça, on va calculer P de B. P de B, la probabilité totale, la loi de Bayes. P de B est égal à P de F1 inter B, ou bien P de F2 inter B, ou encore P de F3 inter B, qui sera donc égal à 1 dixième plus 1 quart plus 9 dixièmes. Donc, le dénominateur commun, qu'est-ce qu'il y a de commun entre 10 et 4? 20. Le dénominateur commun, c'est 20. On va multiplier par 2 ici, par 5 ici, par 2 ici. Ça va faire 18. Donc, sur 20. Donc, ici, ça fait 25. Ça va faire, ça fait par 4 fois 4. Bon, en fait, quand il fait l'arbre de probabilité, c'est ce que la somme des probabilités ça me donne 1. Parce que il faut que la somme des probabilités ça me donne 1. Est-ce que ça donne 1? Parce que ici, là, ça là plus ça, ça fait 1 demi. Ça fait 2 dixièmes. Ça dépasse 1. Ça dépasse 1. Le problème ne vient pas de nous, hein. Le problème vient de l'exercice. Parce qu'au niveau du ciel, on a dit que le troisième fait 9 fois sur 10. C'est pas nous. Le problème ne vient pas de nous. Le premier dit la vérité. Bon, prenons un peu ici. Il y a trois fois à ce carrefour. Le premier dit la vérité 2 fois sur 10. 2 fois sur 10. Le deuxième dit la vérité une fois. Vous voyez que la somme des probabilités s'y dépasse 1. C'est ça qui fait que ici, ça ne va pas donner. On aura un problème ici parce que ça va dépasser 1. La probabilité là va dépasser 1. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Ça dépasse 1. Ça va donner 25 sur 20. Parce que déjà, au niveau d'ici, la somme des probabilités au niveau d'un ne doit pas dépasser 1. Donc, personnellement, je vais laisser l'exercice comme ça parce que je crois qu'il doit avoir certainement, peut-être, je ne sais pas si c'est moi qui me trompe, ça ne doit pas donner un nombre qui dépasse 1 parce qu'en fait, voilà, si au niveau d'ici le problème est résolu, on sait que nous sommes en train de chercher P de F3, sachant B. Donc, on a dit que c'est P de F3 inter B sur P de B. Donc, nous sommes en train de calculer P de B. Donc, en calculant P de B, on devait venir remplacer ici, on devait trouver. Donc, je ne sais pas si je me suis trompé quelque part, ou bien si je ne comprends pas bien l'exercice. Donc, vous aussi, vous cherchez. Vous allez chercher. Bon, mais moi, je crois que peut-être, sauf si je me trompe. Hein. Bon, on continue. Le nombre d'étudiants. Le nombre d'étudiants de la faculté des sciences coupable de fraude pendant une session d'examen est une variable aléatoire Z qui suit la loi de Poisson, le paramètre K, le paramètre lambda supérieur à 0. Donc nous sommes la question. Donc nous savons déjà que comme ça suit une loi, on va répondre à la question donc suivante. P de Z égale à K égale à lambda à la puissance k exponentielle de moins lambda
sur une facture de camp. Donc voici le APDZ. Ça, c'est la fonction de masse. Hein? La fonction de masse. Fonction de masse. Et maintenant, on continue la lecture. On dit maintenant Z, qui soit la loi de Poisson de paramètre. Maintenant, on dit que on suppose que la probabilité qu'un fraudeur soit un garçon est P. La probabilité qu'un fraudeur soit un garçon, c'est P. La probabilité qu'un fraudeur soit un garçon, c'est P. Et on dit que X est le nombre aléatoire de garçons parmi les fraudeurs d'une session. Donc ça veut dire que P de X égale à J est égal à P. Donc voici la probabilité ici pour qu'un garçon soit fraudeur. C'est P. Et puis maintenant on dit que celui des filles, c'est Y. Donc, et là par exemple, ce que je sais, c'est que quoi? C'est que la probabilité qu'un garçon fraude, c'est P. Et pour celui des filles, on sait que c'est Y. Maintenant, soit soit Y. Donc, soit Y, celui des filles. On dit petit 4. Nous sommes ici à la question 4. On demande de calculer. Calculons. P de X égale à J et Z égale à K. Avec, on va distinguer deux cas. Le cas où J est supérieur à K et le cas où J est inférieur à K. Bon, en fait, ceci est égal à quoi? On va dire que pour J supérieur à K, c'est-à-dire que K, c'est le nombre de garçons et de filles. Donc, si le nombre de garçons dépasse le nombre total de personnes, c'est-à-dire de fraudeurs, c'est-à-dire qu'il y a un problème, c'est-à-dire que la probabilité là, que X soit égal à J et Y et Z égale à K, est simplement égal à 0. C'est-à-dire que c'est une probabilité qui est nulle d'office. Parce que le nombre de garçons ne peut pas dépasser le nombre d'étudiants qui ont fraudé. Le nombre de garçons qui ont fraudé ne peut pas dépasser le nombre total d'étudiants qui ont fraudé. Parce que c'est la somme qui donne le nombre total. Donc, ça c'est pour J égale à K, supérieur à K. Maintenant pour J inférieur à K, on aura... Bon, déjà, ici n'oubliez pas, on a vu que P de Z égale à K, on peut remplacer, on sait que ici là, K, bon, voici le de poisson, voici J ici, et on sait aussi que la probabilité si P de Z égale à J et X égale à, donc c'est X ici, X plutôt ici égale à J et Z égale à K est égal à quoi? C'est P2. On peut utiliser ici la probabilité conditionnelle, donc c'est P2 X égale à J fois P2 Z égale à K, sachant que X égale à J. Donc voilà par exemple ce qu'on peut avoir ici. Et ou bien encore, la probabilité peut aussi être encore égale à P2 Z égale à K fois P2 X égale à J sur Z, sachant Z égale à K. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. Et je crois que vous pouvez maintenant vous-même trouver cet exercice, ça vous fait continuer vous-même. Et ça vous dépasse, je vous attends. Et on demande maintenant la loi de X. Donc, loi de X. Maintenant, 5. Loi de X. Loi de probabilité de X. Donc, si on demande la loi de X, on a dit que maintenant,
la probabilité qu'un garçon fraude, c'est P. Donc si c'est P, ça veut dire que si on demande la loi de X, on va chercher seulement à déterminer la fonction de masse. Donc ce que nous on va faire, c'est quoi? Ce qu'on va simplement venir ici, on va dire que on fait un tableau. On a un tableau comme ça, on a ici X égale à K. Là c'est 0 garçons qui ont fraudé. Donc ici, ça c'est P de X égale à K, égale à J, c'est J ici. J ici, c'est 1, c'est 2, c'est 3, c'est point, 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 c'est J. Donc, et on peut venir ici par exemple et associer à cette expérience-là. Bon, déjà on avait associé à l'autre une loi de Poisson. Donc nous pouvons associer ici par exemple une loi binomiale. Si on associe une loi binomiale, la fonction de masse sera seulement P de X égale à J égale à la combinaison de J dans N de J dans N. Bon, c'est J dans K. On peut dire comme ça. Parce qu'au total, il y a le nombre d'étudiants. Un nombre de séances coupables de fraude. Sur N, N est le nombre total d'étudiants frappés à la puissance J. P à la puissance J facteur de 1 moins P à la puissance N moins J. Donc, ici, vous pouvez remplir. Voilà la loi de. Il faut remplir ça en faisant cela. Bon, je vais passer directement. Donc, il faut remplir ici. C'est que vous allez prendre J égale à 0, J égale à 1, J égale jusqu'à. Donc, voilà ce que je peux faire. Question 6. On dit maintenant que une urne contient 5 boules blanches et 20 boules noires. Donc, une. Une. 5 boules blanches et 20 boules noires. Et on dit donc que on prélève successivement avec remise 2500 boules de l'une et on note est-ce la variable aléatoire égale au nombre de boules blanches tirées, obtenues. Donnée sans démonstration, la loi S, la loi de S. Bon, ce qu'il faut savoir ici, c'est que quoi? C'est que nous pouvons associer. Déjà, on va chercher à avoir, par exemple, on va donc chercher à avoir, par exemple, ici, on sait déjà de fils que on aura ici ce qu'on peut appeler, étant donné qu'il y a un tirage avec remise. C'est un tirage avec remise. Tirage successif avec remise. Donc, sur les P uplets, ça signifie que la probabilité de tirer donc, le cardinal par exemple ici, on tire 2500 fois. Donc, voilà par exemple ce que j'aurai. J'aurai ici, ça c'est la première fois qu'on a tiré, ça c'est la première boule, deuxième boule, troisième boule. Donc, si je vais seulement tirer les boules blanches, la probabilité de tirer une boule blanche, ça sera ici 5, point, point, point. Et puis maintenant, ça c'est à 2500. Ça c'est quand je suis pour la 2500 fois. C'est encore 5 comme ça. Donc ça va faire donc, cardinal, par exemple, si c'est A l'événement. A est l'événement, tirer une boule blanche. Donc A, tirer une boule blanche. P de A, cardinal de A. Est donc égal à 5 à la puissance 2500. Maintenant, cardinal d'oméga. Cardinal d'oméga, ça c'est la première boule qu'on va tirer. Deuxième boule. Troisième boule. Et ça c'est la énième boule. 2500e boule. Et maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est quoi? C'est que ici, il y a 25 boules. Parce qu'il y a 20 boules noires et 5 boules blanches. Donc 25 fois. Donc cardinal d'oméga est donc égal à 25 à la puissance
2500. Donc, la probabilité de tirer une boule blanche ici, c'est donc égal à cardinal de A sur cardinal de méga. De méga, qui est donc égal à 5 à la puissance 2500 divisé par 25 à la puissance 2500. Donc, ça va faire 5 sur 25 à la puissance 2500 qui est égal encore à 1 sur 5 à la puissance 2500. Donc, ça va encore donner ici à P est donc égal à P est donc égal à et ça, ça va faire 1 sur 5 à la puissance 2500. Et on voit que cette probabilité-ci est très sensiblement, ça tend vers 0. Donc, c'est une probabilité qui tend vers 0. Ça veut dire que dans cet exercice-ci, on peut utiliser ici, on peut associer, donc, utiliser une loi de Poisson. On peut associer à cette expérience et utiliser ici une loi de Poisson. Déjà, on a grand N qui est égal à 2500. L'expérience se répète 2500 fois et la probabilité du succès, c'est 1 sur 5 à la puissance 2500. Donc, vous voyez que si on fait N fois P, ça va faire 2500 divisé par 5 à la puissance 2500. Calculez un peu, je vais calculer ça. Ça va faire, je prends la calculatrice, j'essaie de calculer, ça va donc faire 2500 divisé par, je vais mettre la parenthèse, ça fait 5 à la puissance 2500. Égal. Donc je dis 5. 5 à la puissance. 5 à la puissance 2500. Égal. Ouh, ça met erreur. Donc ceci va tendre vers 0 aussi. Ça va être très faible. 5 à la puissance 2500, c'est très faible. La calculatrice n'arrive pas à me donner une valeur. Donc, on va associer à cette expérience une loi de Poisson. Et le paramètre de la loi de Poisson, on associe une loi de Poisson. Le paramètre lambda égale à n fois p. Donc, ça va faire 2500. Divisé par 5 à la puissance 2500. Donc voilà ce qu'on aura. Et maintenant, on va donc dire que si c'est une loi de Poisson, on nous a demandé de faire quoi? De donner sans démonstration. La loi de S. Donc, la fonction de masse est, on va dire que la fonction de masse est P de X égale à K égale à lambda à la puissance K exponentielle de moins lambda sur K factoriel de K. Donc, voilà par exemple la fonction de masse. Et à partir de là, pour K, on va prendre K. Les valeurs de K. On va donc donner des valeurs à X. Donc X va prendre quelle valeur? X peut prendre la valeur K égale à 0, égale à 1. Donc X appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3, point, point, point. Donc on va dire que X appartient à N étoiles. Bien à N simplement. À N tout court. Donc voilà par exemple, on a fini et on nous demande de calculer on demande la question on demande de donner les valeurs E de S. Oui, en fait, je devais dire ça que P de S égale à K égale donc à
lambda à la puissance K exponentielle de moins lambda sur K, facteur de K. Donc ça, c'est la fonction de masse. Et puis maintenant, quand on me demande de trouver, à la question, de trouver la variance, et étant donné qu'on a transformé en une loi de Poisson, nous allons simplement dire que c'est l'expérience mathématique, est E de S qui est égal à lambda. Donc c'est égal à 2500, je passe ça dans 2500 sur, ça fait 2500 sur 5 à la puissance 2500. Et puis maintenant, V de S aussi, la variance. S, V de S, sa variance. De S, ça va donner toujours lambda, qui est égal à 2500 sur 5 à la puissance 2500. Donc voilà ce que on trouve. Et puis maintenant, on dit. On dit maintenant 8. Trouver le réel A. Bon, ici, par exemple, je crois que les questions-ci, vous pouvez répondre à ça vous-même sans problème. Vous pouvez répondre à ces questions-ci sans problème. Parce que là, vous allez calculer P de S égale à 400, P de S égale à 600, et puis maintenant, c'est terminé. Donc voilà par exemple, et puis maintenant proposer U. Je pense que vous pouvez terminer l'exercice ici. Vous pouvez terminer ça vous-même. Je suis Job Kamdem du groupe de répétition NABLA. Merci. Partagez cette vidéo et abonnez-vous. Merci.